One way you can be submerged entirely with the French language is by, for instance, taking a tour, a historical tour, of a city such as San Diego, where the entire tour is held in French. Did you know that even existed? Today, we are going to go with Julie from San Diego, c'est beau. San Diego, it's beautiful. Translation, right? San Diego, c'est beau. And she is going to show us different parts of San Diego and tell us some of the history, but in French, to work on your comprehension skills. That's right. Hi there, my name is Rochelle DeMeo, your native French instructor from Belterre Academy. And I have the pleasure of being with... Hello, I'm Julie, nice to meet you. Bon ben on y va Julie? Allez c'est parti, je vous emmène en balade, venez avec moi. Excellent. Voici sur un pont suspendu. Le Spruce Bridge. Suspension Bridge. Et donc si tu peux regarder, si tu bouges, est-ce que tu sens la sensation? Ouais. Certaines personnes ont peur de s'y promener. Donc il est long de plus d'une centaine de mètres. Ouais. Et puis on est à 20 mètres de hauteur. Donc c'est pour ça que c'est âme sensible de s'abstenir. Donc il y a un joli canyon aussi, il y a des balades à faire en bas. Ça s'appelle celui-là, c'est le Kate Station Canyon. Donc Kate Station était quelqu'un de très important dans la communauté de San Diego parce que ça a été la première horticultrice botanique qui a aidé à justement planter tous ces magnifiques arbres. Parce que vous allez voir là notamment des eucalyptus. Et ce n'est pas du tout endémique. Mais Julie, on dirait qu'il y a une vue de downtown ou je rêve? Exactement, regarde, on voit le Hyatt, ce magnifique drapeau américain qu'on aime tant. Oui. Non, une vue extraordinaire. Donc pour la petite histoire, ce pont a été fait en 1912 par un ingénieur en bâtiment, monsieur Edwin Cap, qui a été d'ailleurs élu deux fois à la ville de San Diego. Le pont peut soutenir plus de 164 tonnes. Donc en fait on pourrait être 2000 et pourtant c'est rigolo comme il est en suspension et bouge. Ouais, c'est rigolo hein. Ouais, franchement. Allez, vous faites un gros saut là. Donc on se trouve à Bankers Hills qui comme son nom l'indique, Bankers veut dire La banque, un banquier. Voilà, donc c'était le quartier des banquiers, des personnalités influentes de San Diego. Médecins, avocats, vous allez voir énormément encore de cabinets d'avocats dans le quartier. Et donc c'était avant La Roya, avant Rancho Santa Fe, le quartier UP de San Diego. Et maintenant c'est un quartier un petit peu bobo. D'accord. Julie, on est où là? Alors, on se rend le Self-Realization Fellowship. Bah, je suis surprise parce qu'il me semble que j'en avais une sur Encinitas. Alors tout à fait, donc sur Encinitas, donc c'est l'endroit principal. Par contre, c'est une annexe, mais fait par la même personne. Dans les années, on est toujours pareil, là, durant le tour, dans les années 20. Et ce qui est intéressant, c'est le bâtiment lui-même que je vais vous montrer, parce qu'il a été fait par l'architecte de renom de San Diego, Irving Gill. Et Irving Gill, on le retrouve à la Roya Women's Club. Il a fait aussi à Balboa Park des bâtiments, comme le Quadrangle quand on arrive. D'accord. Et donc, venez, je vais vous montrer un petit peu. Et donc, ce qui lui plaisait, c'était le modernisme et faire des arches. D'accord. C'était Bishop's Day School, la première école. Et Irving Gill a fait aussi Bishop à La Roya, l'école avec le clocher. Ouais. Donc le modernisme, c'était vraiment faire des bâtiments plutôt cubiques, parce que vous allez voir, après je vais vous montrer des choses plutôt style victorien, plutôt ancien. Là, c'était vraiment tranché entre la fin des années 1900 et le début 20e, c'était de dire on fait du moderne, donc du cubique. Et Julie, là du coup, on est où? On se trouve où là? Alors là, on vient d'arriver sur le deuxième pont de notre balade qui est en réalité le plus ancien, donc 1905, qui est le Queen's Bridge. Donc tout de fait de bois. Et donc c'était vraiment cette volonté. Donc on a, ces vallons là, ces collines, pour le peuple de pouvoir traverser, d'aller d'un quartier à l'autre. Parce que là d'où on venait, donc les gens, tu as vu, c'était quand même un quartier assez chic. Mais le tramway était juste là de l'autre côté. Il y avait un tramway à l'époque à San Diego. Et donc les gens descendaient sur le Gaslamp, qui était la ville de San Diego. Et donc pour pouvoir y aller, il fallait qu'ils puissent avoir accès au tramway, et donc c'est pour ça qu'ils ont construit ce pont. Voilà. C'est super. Et nous sommes là aussi sur un... Donc celui-là est plus petit, hein, il fait un peu plus de 70 mètres de long, 18 mètres de hauteur. Et on est sur un autre canyon, c'est pas le même. Celui-là c'est le Maples Canyon, et la balade est super sympa.
Du coup, on est où là, Julie? Là, nous nous trouvons devant un des trois joyaux de Bankers Hill, donc la Brit Scripps House, créée en 1888. La plupart des choses que vous voyez est d'origine, sauf le plancher. Donc c'est assez extraordinaire parce que généralement les choses ne sont pas faites pour perdurer ici, et puis il n'y a pas de structure comme ministère de la Culture pour pouvoir garder ce genre de patrimoine architectural qu'il faut absolument préserver. Donc pour la petite info, elle était en vente à partir du mois de juin de l'année dernière à 5,5 millions. Et là, je ne sais pas si elle s'est vendue, elle a un peu moins de 5 millions, à 4,9 millions. Donc nous sommes devant plus de 550 mètres carrés. Là, ce que vous voyez, c'est l'escalier qui passe devant les vitraux. Vous avez 9 chambres qui avaient déjà des salles d'eau pour l'époque, ce qui était très très rare. Et à la fin du 19e, c'était la maison la plus chère de San Diego et qui coûtait 3 000 $. Appartenait à la famille, c'est la famille Britt qui l'a fait construire, mais ils ne sont pas restés très longtemps. Donc lui était avocat et juge, et ils l'ont vendu à la famille Scripps. Je pense que le nom te parle. Oui, oui, c'est là que j'ai accouché mon enfant. Voilà, donc Scripps, c'est une grosse famille. Donc il y a les Rockefeller à New York, et nous on a les Scripps, enfin ils sont aussi sur Chicago, tout ce qui est médias, donc des milliardaires. Et à San Diego, nous avons cette chance d'avoir tout ce justement, ce centre médical ou le centre océanographique aussi qui porte le même nom. Ce bâtiment est de style victorien et ça se repère assez facilement par ses toits en forme de château. Nous voici devant la première synagogue de San Diego qui s'appelait Congregation Beth. Et donc qui s'appelle maintenant Or Shalom. Ce bâtiment est particulier, donc il est des années 20, 1920, on dit aussi 1920. Et sa structure est octogonale avec un dôme au rond et surtout des formes géométriques mauresques. Moyen-Orient, marocain. Voilà. Bienvenue devant le Barcelona. Donc là, on pourrait être complètement projeté comme si on était à Miami. Donc début de construction 1921, achevé en 1923. Et à l'intérieur, pareil, c'est encore un petit bijou d'architecture, c'est-à-dire qu'il y a un mini-golf, il y a un solarium, bon, il y a le rooftop. Là, je vais te montrer une maison, pareil, de style victorienne. D'accord. De 1888. D'accord. Qui est aussi un petit bijou qui est resté dans son jus. Ah oui. Et qui appartenait cette fois-ci, alors non pas à quelqu'un, ni médecin, ni juge, mais une famille qui avait fait fortune dans l'import-export de fruits et légumes. D'accord. Et Julie, comment est-ce qu'on pourrait reconnaître une maison victorienne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est spécifique? Très bonne question. Donc si tu regardes bien, tu vois que tu as toujours des toits en forme conique, et aussi des moulures en bois, comme des dentelles, qui dessinent en fait, qui donnent un peu du volume à la maison. D'accord. Tu as aussi les grosses cheminées extérieures, qui font comme si c'était trois parties. Mm-hmm. Donc voilà. Et puis majoritairement en bois. D'accord. Ok. Là c'était le garage actuel était l'endroit où il y avait les calèches. Ah, parce qu'on est d'accord qu'on se transpose au début du 20e. Et oui. Enfin, fin du 19e. Donc du coup calèche au lieu de. Donc l'arbre est pareil, l'arbre plus centenaire. Petite pause. Hey guys, if you're getting value out of this video, go ahead and give me a thumbs up. Tell Julie what an amazing job that she's doing presenting us San Diego in French. Nous voici devant la Timken House. Est-ce que tu connais cette personne? Est-ce qu'il te parle, Timken? Du tout. Donc c'est quelqu'un à San Diego qui a fait fortune avec la rue vers l'or, qui est comme pour la plupart sur San Diego, bien évidemment, ce n'est pas via ce modèle-là qu'il a fait sa fortune, mais il a créé un système de poulies qu'il a mis sur les wagons en fait. Mais après, il les a mis sur les voitures, donc une toute petite pièce l'a rendu millionnaire à l'époque, donc au 20e siècle. Et on lui doit le merveilleux musée gratuit, donc j'encourage tout le monde, encourage les gens qui te suivent à aller voir le seul musée gratuit de Balboa Park, le Timken Museum, qui est gratuit tout au long de l'année, comme d'ailleurs le Botanical Garden, mais là c'est plus une serre. Donc, Et à l'intérieur du Timken Museum, on trouve toutes les œuvres d'art qu'avait collectées la famille, y compris le seul et unique Rembrandt de tout San Diego. Ah ouais. Mm-hmm. À visiter alors. Nous voici à notre dernier arrêt, ce merveilleux pont en métal qui a été réalisé en 1931 et refait en 2010 pour les mettre aux normes antisismiques.
Ce pont avait été fait à l'origine, il y en avait un autre avant celui-là qui a été fait vraiment par des ingénieurs civils, par le peuple de Bunker's Hill qui voulait traverser le canyon. On a toujours la même problématique, donc on se retrouve au niveau du Maple Canyon qu'on a vu tout à l'heure. Et je vais vous montrer du coup de loin, nous allons voir le Queens Bridge qu'on a traversé. Et c'est vrai qu'en Californie, notamment, il y a énormément de vallées, de montagnes. Donc, même si on fait un peu de jogging ou une petite rando, même la petite rando, il y aura beaucoup de hauts, de bas et on peut facilement se fatiguer. Mais c'est vrai que ça, c'est très logique d'avoir ces ponts-là quand on parle de canyon parce que sinon le travail serait beaucoup plus difficile, surtout pour aller au travail justement. Voilà. J'ai une petite question, Julie. Si pour peut-être des francophiles ou des francophones qui aimeraient explorer une nouvelle ville ou juste en mode touristique, est-ce que toi, tu aurais des conseils justement pour pouvoir trouver quelque chose du genre ou des petits conseils pour visiter la ville? Alors, pour les francophones qui ne parlent pas anglais, bien évidemment, c'est quand même le top d'avoir un guide qui parle français, la même langue qu'eux, donc j'ai la même culture, je peux vraiment leur expliquer, ou au contraire, des choses complètement différentes, leur dire le meilleur burger de Pacific Beach, c'est tel endroit, le meilleur burger d'Hillcrest, c'est tel endroit. Mais s'ils recherchent des choses françaises, je peux leur montrer aussi, puisqu'on a quand même une forte communauté française sur San Diego. Pour les francophiles, c'est un petit peu différent, donc ils ont cet amour de Paris, cet amour de notre art gastronomique, culinaire, la mode aussi. Et à ce moment-là, ils peuvent pratiquer en fait en dehors de la classe, en dehors de l'enseignant, qui donne des notions de grammaire. Moi, ce sera plus le côté fun, le côté culturel, voilà. Tout ce que les gens veulent faire, voilà. merci Julie. Ces coordonnées figurent ci-dessous if you're wanting your own private tour with Julie in French to work on your French listening comprehension. Her contact information is listed below, so make sure you contact her. If you haven't yet, subscribe to the channel so that you can be notified of our next conversation in French to work on your comprehension skills. À bientôt les amis! Bye everyone!